J'ai commencé mes études par un BEP carrière sanitaire et sociale. J'ai continué par un bac ST2S, donc sciences et technologies du sanitaire et du social. J'ai ensuite décidé de changer de filière. Je voulais plus aller sur les soins bien-être que les soins médicaux. D'accord. Voilà, donc j'ai fait une prépa, j'ai fait un BTS. Et là, je me suis plus tournée vers le management pour avoir quelques notions marketing, management. Pour ma part, je fais un bac STG, option gestion des systèmes d'information. Je me suis tournée sur un BTS communication, où j'ai effectué mes 2 années. Par la suite, j'ai décidé de rejoindre la licence en management du luxe cette année. Moi, j'ai décidé de faire ce bachelor surtout pour pouvoir avoir des notions par rapport au poste que j'occupe, qui est assistante spa manager, donc surtout le marketing et le management. Étant donné que la communication, c'est ultra vaste, ultra large, j'ai voulu vraiment me spécialiser dans le luxe, étant vraiment un domaine qui m'intéresse tout particulièrement. L'alternance, ça permet d'allier la théorie et ce qu'on peut faire sur le lieu de travail. Donc c'est vraiment pas dissocié, c'est plus associé. On peut demander en plus des conseils autant à Madame Moni qu'à nos professeurs. On a eu des séminaires en luxe, en négociation relations clientèle, également un séminaire qui ont touché tous les logiciels, à savoir Photoshop, Illustrator, InDesign, ainsi que la maîtrise du web, comme la création de sites statiques. Enfin voilà. Pour ma part, c'est une base essentielle à mon futur projet, quoi. Moi, sur du court terme, j'aimerais travailler donc dans les spas d'hôtels de luxe pour acquérir encore de l'expérience. Et sur du long terme, pourquoi pas ouvrir un spa et vraiment réfléchir à un nouveau concept. Moi, ce serait vraiment travailler en tant que manager, savoir manager une équipe. D'accord. À l'heure actuelle, je travaille pour une marque italienne, Salvatore Ferragamo. D'accord. Je suis actuellement conseiller de vente et j'aimerais bien par la suite gagner en échelon et par la suite diriger ma propre équipe. Je cherchais une formation RDC et il y avait la spécialité que je voulais. C'était la seule école qui pouvait m'amener à discuter sur mon travail en fait. Il y a une spécialité spa, on peut discuter spa avec tous nos professeurs et je pense que c'est son cas aussi à lui. Franchement, je pense que c'est pour ça que j'ai choisi Pigé Création. L'accompagnement est vraiment là. Il n'y a vraiment pas de barrière entre ce qu'on fait ici et ce qu'on fait au travail.